Vendredi midi, à la grande mosquée de Dakar. Selon la coutume, la majorité des musulmans se rend au sanctuaire pour participer à la principale prière de la semaine. La population du Sénégal se monte à environ 5 millions d'habitants et elle est musulmane à 86%. La grande mosquée de Dakar, achevée en 1964, a été construite sur le modèle d'une mosquée marocaine. Elle symbolise ici l'islam traditionnel tel qu'on le retrouve dans le monde arabe. Mais à l'intérieur du pays, dans la brousse, nous découvrirons un islam très différent, africanisé et conquérant face aux ethnies restées fidèles à l'animisme. Au sud du pays, la Casamance. Vendredi, 9h, la lecture du Coran à Darul Khairi, un village de brousse de 400 habitants. La population est entièrement musulmane. L'islam confère une indéniable dignité et même une noblesse vestimentaire à ses fidèles, car en Afrique noire, seuls les musulmans portent cette longue robe appelée boubou. Une des caractéristiques de l'islam noir est que chaque croyant appartient à une confrérie. Il y a quatre grandes confréries au Sénégal. Chacune d'entre elles propose à ses fidèles une voie de salut qui lui est propre. De même, chacune a ses propres rites. L'essentiel du rituel consiste en litanies incantatoires comme celle-ci. Ces litanies, répétées souvent pendant des heures, ont pour but de libérer l'âme du corps et permettre aux croyants de se trouver en présence d'Allah. Cette appartenance à une confrérie, ces litanies, tout cela correspond à ce qu'était l'islam primitif des débuts de l'ère musulmane. Chaque confrérie est dirigée par un grand marabout qui délègue une partie de son pouvoir à des marabouts locaux. Le marabout est un chef religieux qui est vénéré et écouté comme un saint. Son pouvoir n'est jamais contesté puisqu'il lui vient d'Allah. Pour ces paysans pauvres, l'exaltation religieuse leur permet d'oublier la misère quotidienne. Grâce à leur marabout, ils communiquent avec l'univers et se laissent envahir par une grande sérénité. Quel que soit notre scepticisme d'Européens, il faut bien reconnaître que, pour l'homme de la brousse, le marabout remplit une fonction analogue à celle de la sécurité sociale. Son grenier doit toujours être bien garni afin de secourir ceux qui se trouveraient dans le besoin. Le talibé sait que son marabout ne le laissera jamais dans l'abandon ou sans nourriture. Dans les pays pauvres de l'Afrique subsaharienne, c'est un facteur qui a toute son importance. Si un talibé a des problèmes financiers, il peut venir trouver, vous trouver pour demander de l'aide. Bien sûr, ako nintra fana ma koy ro fana ita fana nakaro la ni misal to talbe haji soto fasi akanano e kanne ifana ya ma koy wo hajo la kan kay ha ha pay kanaja pay pay ni semene fam du ngono mori bena kam pour du mendo mari ba soto ke ma koy do ko la lolu ci ko lolu la lolu ci do mo ko di ni min jaxal ta fana la ta musu tala non ko la soto sinan kan sa ko ñinde ma sa de en principe ça se passe exactement comme ça quand il y a quand le talibé a des dépenses à faire et qui dépasse ses limites, il vient le consulter et lui procure certainement parfois des denrées, parfois de la nourriture, parfois même s'il y a lieu de l'argent, ne serait-ce que pour l'aider.
En contrepartie, le disciple a des obligations. Chaque paysan doit consacrer en principe un jour de travail par semaine, le mercredi, à cultiver les terres de son marabout. Ces hommes défrichent les champs d'arachides de leur marabout. On peut estimer que le travail exigé ne dépasse pas, au total, 100 heures par année. Pourtant, cela suffit pour permettre à la hiérarchie maraboutique d'exister sans participer à la production et de former un groupe privilégié, une aristocratie foncière. Dans cette région brûlée par le soleil, l'introduction de la culture de l'arachide n'a été possible que grâce à la collaboration des marabouts, qui ont vu là un moyen de détenir une partie du pouvoir économique. Sous forme de cacahuètes salées ou d'huile, l'arachide représente aujourd'hui 40% des exportations sénégalaises. L'islam exprime une volonté de vivre ensemble. C'est pourquoi il entre de plein pied dans la société africaine traditionnelle qui accorde une place prépondérante à l'organisation communautaire. Pour de nombreux dirigeants africains, l'islam est avant tout un moyen d'inculquer à leurs concitoyens mal nourris, mal vêtus, souvent illettrés, un certain sens de la fierté, une certaine conscience nationale en même temps que le sens de la discipline. Ainsi, vu du pouvoir, l'islam se révèle être aussi un instrument de lutte contre le sous-développement. Mais il peut encore se manifester comme un formidable moyen de résistance au pouvoir politique.